Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 5 de ce Let's Play d'Amnesia en français. Alors, continuons. Fermez ici. Ah, toujours un peu enrhumé depuis la dernière fois. Bon, ça va mieux un peu. Quelque chose dans ce bureau, non? Dégage la chaise! Oh, une bouteille. Ah, je peux pas apprendre. Rien là. On va y arriver. Rien là. Rien là. Est-ce que je peux. Non, je peux pas ouvrir la commode. Ok. Collier, cou et nœud coulant. Quelle fanfare, un grand moment selon le Times. Les fanions virevoltaient et les fanfares retentissaient, pardon. Jour de fierté pour la famille. Ok. On irait son usine, je suppose. Yes, alors. Bon, c'est sympa. Téléphone, je prends. C'est pour moi. C'est ma pizza. Allô? Où en est ma pizza? J'ai faim. Si vous libérez ma mâchoire, waouh. Purifiez mes pensées, mes paroles. Ouais, je connais un très bon psy pour vous. Pas que je sois du genre fêlé en avoir besoin. Ah, encore une tête de piggy. Bon, ça a l'air sympa par ici. C'est pas super effrayant comme décor. Il y en a. Oh, une chemise. Dans un tiroir de bureau. Si on veut. Non. Celui du milieu. Allez. Ah, une note. Yes. Mais que se passerait-il s'il pouvait se lever et marcher comme des hommes? Que se passerait-il si leur brutalité était exploitée? Chanterait-il? Trouverait-il leur propre Dieu? J'ai vu ces choses et je peux vous dire que non. Mais elles accepteront volontiers de se tourner vers un Dieu pour l'adorer. En cela, j'ai compris qu'elles nous ressemblent beaucoup. Une fois ce seuil irrévocable franchi, je réalise que nous sommes nous aussi entravés et qu'il nous faut nous libérer. Pour libérer l'homme, nous devons le découper. Le découper. Ok. Bon bah. Si vous le dites. Casse-toi la chaise. Et rien par là. What the fuck? J'entends une musique. Piano, c'est toi? Ah, je peux même pas ouvrir. D'autres manières, je peux ouvrir les pianos. What the fuck? Qui est-ce qui joue de la musique par ici? Bonjour. Est-ce que ça vient de là? Non, c'est même pas en train de tourner. Ok. Oh my fucking. Waouh. Non, genre flippant. Oh là là. Allez. C'est une note ça? Yes. En Amérique, les questions. Je peux passer mon temps à lire ces trucs. Enfin, je les lirai après, je pense que. Nanana, nanana. Oups. Ok, bon. Rien du tout. Bon bah continuons. Yes. Nope. Rien. Ça faisait peur, je ferme. Salut. Ah, dehors. Une sorte de petit quelque chose. Nous mettons en application de la chimie. Ah, le danum. Ce qui permet de se soigner, il me semble. Je pense. Je me souviens plus vraiment.
Ok. Continuons. Avertissement. Pompe d'alimentation. Produits chimiques volatiles en quantisation. Ces produits sont hautement corrosifs. Protection indispensable. Faites l'avertissement. On va continuer. Laissez-moi entrer! Bon, ce qu'il reste, que j'ai rien à voir? Non? Avance en vitesse. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est des cochons. Tiens, une vanne. Memento. Il y a une station de ravitaillement. J'ai vu des automobiles en démonstration des usines de WM. Irem et Simone, mais l'odeur qui règne ici est étrange. Ce n'est pas du pétrole, j'en suis certain. Tout porte à croire que cette machine revêt une importance particulière. Encore des trucs que j'ai pas lus. Ok. Ouais, c'est vrai, on cherche toujours nos gosses là. Fermé. Je suppose qu'il va falloir faire quelque chose pour cette vanne. J'ai juste. Je m'excuse. Chronomètre. Hop. Je le mets bien en retard. Wow. Je l'ai remis sur ses pattes, elle est toujours aussi mort. Il a bougé. Non! Arrête de me taper la tête contre la mer. Ouais, bon. Tiens, est-ce que je peux... Oh! Je peux... aller dans la rue, je peux foutre le camp. Ah non, c'est pas la rue. Si, c'est la rue. Je vais quand même voir ce qu'il y a derrière la porte là-bas. Toi, ferme-toi. Ah! Pas dans ma tête. Yeah, une note. Ouh, sacré pavé. Bon. Mais c'est comme un homme. Non, il faut pas. Il faut pas, il faut pas, il faut pas. C'est la mort. Ok. Bon bah on sort, c'est pas plus mal. Ah ouais, on était là-bas. Dieu qui fait sombre ici. Boycott, non à la puanteur porcine dans nos rues. L'usine de Mandus doit fermer. C'est une porte ça? Non. Bon, bah je me balade dans les rues, c'est pas trop mal comme décor. C'est sympa plutôt que de rester enfermé dans un. Come on, papa. Let's climb this one. I can see more pictures at the top. Ouais. Ah, 2 secondes. Ah non. Tiens, c'est un cimetière ça. Ah, ok. Rien par là, rien par là, rien par là, c'est vachement glauque par ici. Ah, j'aime pas quand elle fait ça. Mais c'est pas que ma lampe. Étrange, est-ce que ça veut dire quelque chose? Je sais pas, bon. Qu'est-ce que c'est que what the fuck? Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Non. Ah! Je parie con.
Ah non, il est foutu. Ok. C'est on dirait une sorte. Plan d'usine. Par là. Fermé. Bah comment est-ce que... Comment... Est-ce qu'il y a une clé quelque part? Non? C'est moi quelque chose à faire avec ça. Non, le panneau est foutu. Et je ne peux pas aller par là. J'ai peut-être raté un truc derrière. Il me faut peut-être une clé. Une... Ouais, une clé. Sac ici, est-ce qu'il faut que je retourne en arrière? Ça y est, je suis déjà... Ah! Comment diable, c'est une ancienne réplique. D'après la contrainte, les pompes ne manquent pas à l'extérieur de l'usine, mais il faut en tirer un moyen réservoir du chariot, remplir un endroit plus proche, et ainsi de suite. J'ai quand même pas continué d'actionner cette petite poignée. Bon, ça marche pas. Le réservoir est vide, mince, ça marche pas. Ouais, je m'avance peut-être un peu vite. Retournons en arrière, si c'est possible. Ouais. J'ai peut-être loupé une clé. Ou quelque chose qui m'aiderait à... Non, justement. Ah, je suis confus. Que faire? Je me pose toujours la question, qu'est-ce que je dois faire, mon sang? Est-ce que je lis trop rapide dans ces notes? Ok, alors il y a ça qui est bloqué. Pompe d'alimentation, gna gna gna. Non, ça c'est bloqué. Il n'y a rien à faire. Peut-être quelque chose à poser ici. Ravitation des... Ah! Ça? Ah! Ouais bon, c'est juste... Ça mène dehors. Ah, c'est quoi cette chute de framerate là? Ça est bien jusqu'à maintenant. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment... Ça se met à laguer n'importe comment? Oh. Ça va pas le faire. Soit tu te stabilises. Soit je vais devoir peut-être arrêter l'épisode ici. Parce que franchement une vidéo laguée, je sais bien, c'est pas agréable à regarder. Et de mon côté, bah en fait, ça lague tellement que j'arrive même plus à jouer là. Ah! Non. Allez. Autant sur Outlast, de temps en temps, quelques petits lags, ça allait bien, mais là... Là, c'est je joue. Pendant un moment, c'est fluide, et après, paf. Une méga chute. Je sais pas d'où ça vient. Bon, ça devient carrément injouable pour moi, en fait. Donc, je vais arrêter cet épisode ici. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce vert, et on se revoit dans le prochain épisode. Sans chute de framerate, j'espère. Merci, et à bientôt.